Bonjour, et bien aujourd'hui nous voyons la carte des ancêtres, l'amour et l'héritage génétique. Je marche dans leur sillage, dans mon fort intérieur, leur sagesse est pérenne. Je suis unique, mais reste porteur de leur héritage, leur sang coule dans mes veines. Que l'on connaisse ou non ses ancêtres, chacun de nous est le produit de ceux que l'on précède. Vu de l'extérieur, nous pouvons avoir la carrure de notre père, les yeux de notre mère, le nez de notre grand-mère et la carnation de notre arrière-grand-père. Sur le plan intérieur, la comparaison est encore plus intéressante. Nous savons désormais que nous pouvons hériter de différentes caractéristiques. Mécanismes, physiologiques, groupes sanguins, maladies génétiques, voire tendances naturelles liées à certains aspects de la fonction cérébrale, à savoir l'introversion, la musicalité et les mathématiques. Selon de nombreuses traditions païennes associées à Halloween, nous naissons parfaitement imparfaits dans le but d'être exactement ce que nous sommes censés être. Que signifie cette assertion ? Que les présents laissés par nos ancêtres à notre intention et la synergie unique réunissant la physique, le mental et les particularités physiques intrinsèques de notre nature nous arment idéalement pour atteindre notre but ultime. Si la carte des ancêtres se signale à votre attention, sachez que vous êtes prêt et en mesure de mettre en œuvre le pouvoir reçu à votre naissance. Le soutien de ceux qui vous ont précédé vous est tout acquis. Vous risquez de faire face à maints défis ou combats, mais vous disposez de toutes les armes pour les relever. Vous en sortirez victorieux. C'est donc une très bonne carte quand on a celle-ci. À bientôt.